Salut, zami mouen. Jodi a, c'est numéro 115 nan rubrik nou an, Ma Bible, mon trésor. Nan 4 dernier numéro ki passe yo, mwen se nou tout mette nou d'accord que selon la Bible et dans la réalité, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Vérité ça a permettre nan numéro ça nous poser tête nous et répondre à une question très importante. Quel est le premier devoir des parents chrétiens dans l'éducation à donner à leurs enfants? Vu la noblesse de la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants, nous pas étonné si parents ont posé tête yo un ensemble de questions. Par exemple, que devons-nous faire en premier? Où commencer l'éducation de nos enfants? Quels sont nos premiers devoirs en tant que parents? Zami mwen, permettre que nous aller dans le cinquième livre dans la Bible là, Deutéronome, dans chapitre 6, versets 1 à 11, côté que l'Éternel l'a motivé par un juif, yo, pour yo saisir toute occasion présentée devant yo, pour yo capable commencer et continuer éducation yo de bay petit yo. Mais, ça qui est belle dans le texte là, c'est que le devoir numéro 1 n'est pas l'action des parents dans la vie des enfants, mais plutôt celle de Dieu dans la vie des parents. Pas oublier que le Dieu créateur est aussi le Jéhovah Jireh, c'est-à-dire l'Éternel qui pourvoit. D'où, dans ce sens, ça n'a pas d'accord que le divin Père savait que les parents seront incapables de donner à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas. Les parents ne pourront pas aider leurs enfants à connaître Dieu et le chemin du bonheur s'ils n'en ont pas encore fait eux-mêmes l'expérience. Chers amis et parents, vous connaissez certainement l'axiome « tels parents, tels enfants ». Et de la Genèse à l'Apocalypse, il prouve que les parents sont et doivent être les premiers témoins de Dieu auprès de leurs enfants. Toujours parents ak zanmi myo. L'art d'éduquer les enfants selon la volonté de Dieu est d'aimer l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Ensuite, parents yo doivent pratiquer la sainte parole de Dieu. Importance tout ça nous sont dit là, c'est que relation parents avec bon Dieu, c'est une leçon pratique pour timoun yo. Pour capable aider parents yo commencer bien préparé yo puis yo capable accomplir avec efficacité de voix yo vis-à-vis de petit yo, Deutéronome chapitre 6 verset 1 à 7 bay yo ensemble de comportements vis-à-vis de Dieu que parents yo doivent développer. Dans le registre de ces comportements, les parents doivent 1. Reconnaître la suprématie de Dieu. 2. Aimer Dieu. 3. Écouter la parole de Dieu. 4. Mettre avec soin la parole de Dieu en application. 5. Cultiver la crainte de Dieu. 6. Garder la parole de Dieu dans leur cœur. 7. Poser l'empreinte de la parole de Dieu dans leur vie et dans leur environnement. Tendez bien. En tant que parent, l'on fait tout bagay sa yo ou gen plusieurs garanties. 1. Ou c'est un monde qui béni. 2. Vous êtes un parent ou des parents modèles et responsables. 3. Dieu va vous accompagner dans l'éducation de vos enfants. 4. Vos enfants jouiront pleinement de cet héritage spirituel. Maintenant, Proverbe 22, verset 6 peut être aussi lu de la façon suivante. Parents, soyez les modèles appropriés dans l'instruction à donner à l'enfant, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est vrai, bay bon jan éducation à Timoun, c'est une épreuve. Mais nous garantissons, sous la gué autant qu'on bon outil dans mes bon Dieu créateur, épreuve ça pas trop lourd pour vous-même, et le Dieu des cieux vous donnera le succès dans l'éducation de vos enfants. Soyez des instruments entre les mains de Dieu et automatiquement, vous serez des parents responsables et efficaces dans l'éducation de leurs enfants. Si toutefois, bon Dieu te bénit à travers Rubrique ça, pas oublier. Quittez un commentaire, bâillez un like
Et si vous êtes abonné, profitez de faire ça. Pendant que vous êtes abonné, allez sur la cloche de notification, choisissez tout. Et pas oublier, faites que l'autre monde n'en contacte pas autant de messages. Merci et à la prochaine.